Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc des chakras suractifs et sous-actifs. Là, je vais commencer par notre expérience, enfin nos expériences, puis je vais un peu parler aussi d'Evangeline, puisque tout est parti plus loin de là. En fait, depuis un temps, on a remarqué qu'Evangeline a des problèmes, on va dire à la gorge, la gorge qui serre, et comme je suis empath, forcément, je ressentais ses émotions et la même chose. Donc, évidemment, venant de là, bon, bah, on s'est dit, on va quand même aller voir le médecin, voir s'il n'y a pas un potentiel souci. Mais j'avais pris les devants, c'est-à-dire que j'ai vérifié tout ce qui est chakra. Et comme ça faisait un moment que moi-même, je n'avais pas fait de nettoyage, etc., il a fallu aussi que je passe par la case Reiki. Donc, à ce jour, on n'a donc fait que 3 séances, en sachant que normalement la troisième séance, c'est là où bon, bah, y a un peu plus de mal au niveau de certaines pathologies, on va dire. Et donc, il faut forcément faire du forcing et avoir une quatrième séance plus tard pour que tout soit bien unifié. Donc pour le moment, la quatrième séance se fera sûrement mercredi ou week-end prochain, selon. On a remarqué, voilà, avec le Reiki, donc forcément, chaque 3-4 jours, je faisais une séance, etc. Que même si le chakra était neutre, ce que j'appelle neutre ou centré, il y avait toujours ces petits problèmes avec la gorge ou autres chakras, pareil, qui étaient suractifs ou sous-actifs. J'arrivais à les mettre neutres et au bout de quelques jours, ben, ça revenait pas bien, surtout pour l'angine. Moi, il y a certains qui rebougeaient et d'autres non. Et l'angine, c'est un peu plus dur, mais je pense que c'est dû aussi à son jeune âge et parce que bon, ben, tous ces chakras étant ouverts, ben, ils sont un peu. On va dire affolés ou voilà. Plus souvent ils sont suractifs, c'est rare qu'ils sont sous-actifs, mais voilà. Donc pour nos expériences, on va dire que bah, nous on a fait surtout du Reiki sur Evangeline. Moi c'était plus de la méditation et du Reiki également. Je suis obligée de passer aussi par la case Reiki puisque c'est moi qui fais du Reiki sur Evangeline. Donc voilà. Et du coup, ça lui fait du bien par rapport à ses chakras. Après, par rapport à son problème, voilà, qui est un peu personnel, donc je vais le garder pour nous. Ça l'aide sans plus, en fait. Donc, il va falloir trouver une autre chose. Je me suis renseignée un peu. Bon, là, j'ai un, deux, trois trucs comme les mudras, qui a des exercices à faire avec les doigts, voilà. Donc, à voir avec le temps si ça peut fonctionner pour elle et pour moi aussi. Hein. Là, tout est. Voilà. J'ai d'ailleurs mis un article sur les mudras, donc de certaines recherches que j'ai trouvées sur internet dans Marina Medium Overblog, que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Notamment, voilà, si vous avez des problèmes de respiration, d'asthme. Des problèmes gastriques, remontées acides, etc. Si vous êtes stressée, nerveuse, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses à lire et c'est très intéressant. Là, c'est pareil, je suis tombée sur un bouquin que va falloir que je lise et si vraiment il est vraiment intéressant et tout, j'en ferai peut-être une vidéo. Je pense que ça vous intéressera pour ceux qui ne l'ont pas lu et peut-être que ça vous poussera justement à acheter le livre. Ça concerne justement les maladies, le corps, enfin le langage du corps, etc. Enfin bref, voilà, je ne vais pas en trop en dire, mais parce que c'est pas le thème, mais voilà. Va suivre ensuite, après cette vidéo, des explications sur les chakras suractifs et sous-actifs, tout ce qui est évidemment. Effets indésirables sur vos chakras, sur votre corps, etc. Donc quelques explications. Je n'ai pas, c'est déjà pas mal long, donc voilà. Mais ça fait partie de l'atelier que j'ai mis en place, bah, que j'ai mis en place sur le blog Marina Medium Overblog, sur les chakras. Je vous invite donc à visionner la suite.
Et je vous remercie d'écouter cette vidéo, d'être de plus en plus nombreux à vous inscrire sur YouTube. Voilà, de vous abonner. Et puis, je vous laisse avec la suite. Merci encore et à bientôt. Alors, pour commencer, on va parler donc des chakras, donc suractifs et sous-actifs. On vous a expliqué un petit peu ce qui s'était produit entre autres comme expérience. Je ne vais pas revenir dessus. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu les effets indésirables des chakras quand ils ne sont pas nettoyés, quand ils sont suractifs ou sous-actifs. Et je vous ai préparé un petit, voilà, des petites images. On va commencer par donc celui-ci, hein, qui est chakra liaison entre le corps et l'esprit. C'est aussi un peu pour vous montrer durant donc mon explication les chakras. Alors, pour commencer, les chakras, il y a plusieurs façons de les nettoyer, les purifier, etc. Bon, il y a la visualisation, vous avez le Reiki, vous avez des méditations. Parfois, les méditations, c'est pas suffisant. Donc, vous êtes obligé de passer par la case Reiki ou autre. Hein. Moi, voilà, c'est comme ça, c'est par le Reiki. Et je vais commencer donc mon explication sur les chakras suractifs et sous-actifs. Donc, on va commencer par le chakra couronne qui est donc ici. Donc, ici, on vous dit que chakra couronne, c'est tête, cortex cérébral, la peau, l'épiphyse, mélatonine. Concernant le corps physique et l'esprit et les émotions, chakra couronne, c'est acceptation, gratitude, compassion, harmonie et paix, c'est bien d'autres choses. Mais comme je fais un atelier sur les chakras, je peux pas tout vous dire en vidéo, sinon voilà, ça sert à rien que je fasse un atelier sur les chakras. Donc, fait partie justement de cet atelier, une partie donc de cette vidéo, donc les chakras suractifs et sous-actifs. Donc, concernant notre chakra couronne ici, quand il est encrassé ou quand il est suractivé ou sous-actif, il faut donc le rééquilibrer. À savoir que quand il est équilibré, vous pouvez accéder à des pouvoirs sans limite. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, quand il est excessif, ou c'est-à-dire quand il est suractif, vous aurez tendance à avoir des maux de tête ou vous serez frustré. Quand au contraire, il est déficient ou sous-actif, vous êtes triste, catatonique, stressé, vous allez avoir des maux de tête et vous allez partir dans la dépression. Si votre chakra couronne est fermé, au début, il sera d'une couleur blanche dorée ou d'une couleur blanc doré, comme vous voulez. Mais si vous faites la technique de la visualisation, vous aurez également un mantra. Ça, c'est pareil, je ne vais pas le donner ici. Vous visualisez une lumière blanche qui arrive sur votre chakra et qui vous enlève tout le négatif ou qui le décrasse. Moi, j'appelle ça passer au karcher. Donc, au début, il sera couleur blanc doré et ensuite, il sera violet une fois totalement ouvert. Et vous aurez aussi des sensations de chaleur au niveau du chakra. Donc, au niveau du dessus de votre tête. Ensuite, il y a d'autres trucs aussi qui peuvent se passer quand il est suractif. Vous pouvez être aussi, vous aurez tendance à surtout planer en permanence, sensation de planer, d'être dans un autre monde, d'être branché sur un circuit énergétique cosmique, c'est-à-dire que voilà, vous serez sans arrêt aussi en train de réfléchir aussi à vouloir chercher la petite bête dans des choses, par exemple, pas rationnelles forcément. Donc, vous voulez vraiment des réponses à vos questions. Vous aurez un surplus d'énergie, ou également, incapacité à se concentrer sur la vie physique, voire par de folie aussi. On appelle ça aussi avoir mal aux cheveux, donc les racines des cheveux.
et la sensation d'avoir un gros poids sur la tête. Donc ça, c'est quand il est suractif. Quand le chakra couronne est ouvert, vous serez sans doute sans préjugés et vous serez conscient du monde et de vous-même. Voilà. Parce que c'est un chakra, c'est le chakra couronne, ça concerne la sagesse et le sentiment d'unité avec le monde. Ensuite, quand ce chakra est sous-actif, ça peut être aussi que vous n'êtes pas très conscient de la spiritualité et vos pensées sont probablement trop rigides. Vous êtes trop ancré dans ce que vous vous connaissez. Pour vous, c'est ça et c'est pas autre chose. S'il est suractif, vous pourrez aussi intellectualiser probablement trop les choses. Vous pouvez être intoxiqué à la spiritualité et vous ignorez probablement vos besoins corporels. C'est-à-dire que vous aurez peut-être des petits trucs, des petites maladies, mais des choses que vous ferez taire parce que, voilà, pour vous, vous êtes vraiment trop ancré dans la spiritualité, ou dans peut-être la religion aussi, ou voilà. Donc voilà pour le chakra couronne. On va passer au chakra du troisième œil. Donc pour le corps physique, ils le disent, yeux, sinus, base du crâne, hypophyse. Le chakra du troisième œil, sagesse, intuition, connaissance, discernement. Alors, le chakra du troisième œil, on dit que c'est souvent le centre de pouvoir et d'intuition supérieure. C'est être canal ou médium, voilà. Vous faites passer des messages d'entité, etc., par votre canal. Vous êtes connecté à votre moi supérieur, c'est la télépathie et vous pouvez également faire beaucoup de voyages astrales. Après, tout le monde en fait des voyages astrales, mais vous serez davantage apte à le faire. Ensuite, quand ce chakra du troisième œil est équilibré, vous êtes capable d'accepter les conseils, vous avez du charisme. Vous n'êtes pas attaché au matériel et vous n'avez pas peur de la mort. Alors, si il est excessivement suractivé, vous aurez de la fierté, on parle aussi de dogme religieux, vous serez autoritaire et vous aurez peur de la réussite. Il peut s'avérer que ça peut donner aussi des maladies, moi ce que j'appellerais plutôt des effets indésirables, comme la confusion, des problèmes de vue, de la fatigue psychologique. Concernant l'ouverture du chakra, à savoir que voilà, les chakras, le plus souvent, ils s'ouvrent au fur et à mesure que vous avez de l'âge. Je vais donner un exemple. Moi, les miens sont totalement ouverts et ceux d'Evangine qui a 8 ans sont totalement ouverts. Alors que normalement, ça ne devrait pas l'être. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, on dit que ce chakra, qui normalement est de cette couleur-là, hein, ou des fois d'autres disent que c'est une autre couleur, mais bon, moi je les ai fait comme ça aussi. Au début, il est blanc et il sera plutôt jaune doré par la suite. Et on dit souvent que quand il s'ouvre, vous avez des picotements ou de la chaleur. À savoir qu'il y a deux ouvertures, donc devant et derrière, hein, voilà. Donc pareil, quand vous allez nettoyer ce chakra ou le purifier, il y a des possibilités que vous ayez des picotements ou des douleurs. Voilà, c'est l'ouverture normale et nettoyage pareil. Quand il est suractif, il y a des possibilités que vous soyez trop connecté à l'astral et que vous aurez tendance à confondre la vie réelle et les visions. C'est la limite de la transe à tout moment. Et vous aurez tendance à ne pas vous connecter à la vie physique. Et vous aurez sûrement des maux de tête et des migraines. Donc voilà, quand c'est trop suractif et que ça travaille trop. Ensuite, quand de toute façon ce chakra est ouvert, vous avez une bonne intuition. Vous pouvez tendre à rêver éveillé. Quand il sera trop suractif, ça peut être aussi que vous pouvez vivre à l'excès dans un monde d'imagination, dans les cas extrêmes, possibilités d'hallucination.
Donc voilà, moi je vous donne les infos ce que j'ai trouvé. Ensuite, quand il est sous-actif, on vous dit que vous n'êtes pas trop doué pour penser par vous-même et vous pouvez avoir tendance à vous fier aux opinions d'autorité. Votre pensée peut être rigide et se fonder trop sur la croyance. Vous pouvez même devenir facilement confus. Donc, dans ces moments-là, voilà, il y a des possibilités que vous fassiez manipuler par des gens parce que vous êtes complètement que votre chakra est sous-actif, voire fermé. Voilà pour le chakra du troisième œil. Concernant le chakra de la gorge, donc ici on dit dans le corps physique, gorge, bouche, dents, mâchoire, oreille, thyroïde, système respiratoire. Chakra de gorge, communication, créativité, intégrité, imagination, dons artistiques. Donc là c'est pareil, chakra de la gorge, alors savoir que nous, avec Évangile, on a eu pas mal de problèmes avec la gorge, on est en train de vérifier avec le médecin justement s'il n'y a pas un autre souci que le chakra. Hein. Parce que voilà, il faut quand même se dire qu'au bout d'un moment, si l'aide toute seule ou etc. n'est pas suffisant, il faut passer par la case médecin. Concernant le chakra de la gorge, on dit parler de ce que vous ressentez. Quand il est équilibré, on dit que vous êtes donc satisfait. Que vous serez peut-être un petit peu, vous aurez des envies d'artistique, donc peut-être faire du dessin, de la peinture, du théâtre, etc. Habilité à parler, on parle d'expérience aussi d'énergie divine. Celui-ci a tendance à être suractivé, on parle que il y a des possibilités que vous soyez arrogant et addictif à certaines choses. Quand au contraire il est sous-actif, vous êtes plutôt silencieux, timide, bah, tendance à manipuler les gens. Donc on parle de manipulation, alors, je pense que c'est manipuler les gens. Voilà. Si vous avez donc des problèmes avec ce chakra, il y a des possibilités de bégaiement, de manque de discernement et aussi des problèmes de système immunitaire. Donc faites attention. Comme je dis, hein, c'est pas parce qu'on fait du Reiki, des méditations, des machins, qu'il ne faut pas aller voir un médecin quand on a des petits soucis. Parce que plus souvent, quand le chakra de la gorge est un peu coincé, etc., vous avez tendance à être oppressé, voire l'impression que quelqu'un vous étrangle. On vous dit aussi qu'il y a deux ouvertures, évidemment, devant et derrière, et qu'il faudrait, pour aider justement ce chakra de la gorge, à manger des fruits qui sont sous les arbres, genre pommes, poires, voilà, abricots, etc. Quand il est suractif, ce chakra, on vous dit alors que ça, alors quand il est suractif, on vous dit qu'avec ce chakra que vous auriez trop de grandes facilités à créer des liens psychiques, à se connecter avec tout le monde, bavardage incessant, parler mal à la gorge et problèmes respiratoires. Voilà, on en revient à Évangile qui a des petits soucis respiratoires actuellement et ça c'est dû parce que son chakra de la gorge était catastrophique. Là, j'ai fait que deux séances de Reiki, il va falloir que j'en fasse encore deux autres, je pense, pour accéder à de meilleures conditions. Et du coup, ouais, bah, elle est sous ventoline, et pour moi, bon, à voir avec la suite, et si ça va pas, ben, forcément, médecin. Again. Ensuite, le chakra de la gorge concerne l'expression de soi et la communication verbale. Quand il est ouvert, vous n'avez aucun problème à vous exprimer, vous pourriez le faire en tant qu'artiste. Donc quand il est sous-actif, vous avez tendance à ne pas parler beaucoup et vous êtes probablement introverti et réservé. Ne pas dire la vérité peut bloquer ce chakra. Vous parlez trop, ça c'est quand vous voulez suractif. Généralement, pour dominer les personnes et garder les gens à distance, vous êtes un mauvais auditeur si c'est le cas. Bim, ça on le met en plein dans la figure. Concernant donc le chakra du cœur, qui est donc ici,
Donc, on vous dit cœur, poumon, circulation sanguine, thymus concernant le corps physique. Et concernant l'esprit et les émotions, on vous dit paix, amour, unité, solidarité, compassion et joie. Donc, concernant le chakra du cœur, on vous dit que se soucie de nombreuses causes, amour, sauver la planète, aider son prochain, être gentil, compassion et empathie. Quand il est excessif, vous serez donc exigeant, critique ou possessif. Si évidemment ce chakra a des petits soucis, on dit indigne de l'amour, besoin d'être rassuré en permanence, douleur, voire crise, hypertension, fatigue, insomnie, colère, cancer. Super, c'est magnifique. Ensuite, au niveau des ouvertures, pareil devant et derrière. Et une fois qu'il est ouvert, amour, joie ressentie, sensible. Donc évidemment, s'il n'est pas encore ouvert, voilà, quand il s'ouvre, vous allez sentir des choses de toute façon. Au niveau de l'alimentation, donc chakra du cœur, c'est la couleur verte. Et on dit qu'il faut que vous mangez des légumes verts, voire des crucifères. Quand il est suractif, on dit que vous allez aimer tout, tout, tout le temps, tout le monde. Vous allez tomber dans l'excès, trop donner, trop se donner, pointe dans le cœur, difficulté à faire beaucoup d'actions, de la grande fatigue chronique. Le chakra du cœur concerne l'amour, la bonté, l'affection. Quand il est ouvert, vous êtes compatissant et amical et vous travaillez à avoir des rapports harmonieux. Quand il est sous-actif, vous êtes froid et distant. Et quand il est suractif, vous aurez tendance à étouffer les personnes avec votre amour. Et votre amour a probablement des raisons égoïstes. On continue avec le chakra du plexus solaire qui est ici. Alors, c'est plus souvent juste au-dessus du nombril. Système digestif, muscles, pancréas pour le corps physique. Concernant l'esprit et l'émotion, c'est donc conscience de sa valeur, libération des choix, confiance, volonté, pouvoir. On dit du chakra du plexus solaire, c'est trouver du plaisir. Donc, quand il est équilibré, facile, vous êtes facile, gai, respect de soi et des autres, et intelligent. Quand il est suractif, vous aurez donc plutôt du jugement sur les autres, de l'obsession, vous serez perfectionniste ou pas d'émotion. Quand il est sous-actif, manque de confiance en vous, envers les autres, mauvaise digestion, de la jalousie et de la méfiance. Quand ce chakra est donc un peu fatigué, malade ou etc., suractif, sous-actif, problème alimentaire, diabète, spasme, calcul. On vous dit évidemment, il est jaune de manger des aliments jaunes, genre banane ou je ne sais quoi. Voilà, il y a deux ouvertures également devant derrière. Et quand il est suractif, on vous dit qu'il est possible que vous auriez des maux de ventre, trop envie de plier les autres à votre volonté, de rechercher la maîtrise de l'environnement par tous les moyens, brûlure d'estomac, remontée acide. Les chakras du plexus solaire concernent l'affirmation dans un groupe. Quand il est ouvert, vous vous sentirez plutôt maître de la situation, vous avez suffisamment et vous avez suffisamment d'estime de vous-même. S'il est sous-actif, vous êtes passif et modéré, vous êtes probablement timide et n'obtenez pas ce que vous voulez. S'il est suractif, vous êtes dominant et probablement agressif. Voilà pour le chakra du plexus solaire. On passe à l'avant-dernier chakra, qui est donc le chakra sacré. Donc on parle de l'appareil reproducteur. J'ai dit juste au-dessus du nombril, là, oui, c'est ça. Donc en dessous du nombril, le chakra sacré, appareil reproducteur nerf sciatique. L'esprit, émotion, abondance, bien-être et plaisir, sensualité. Donc, quand il est ouvert, c'est la créativité, l'intuition.
Quand il est équilibré, on dit que vous êtes amical et inquiet pour les autres, vous êtes clairvoyant et vous rayonnez. Quand il est suractif, comportement excessif, manipulateur. Et quand il est sous-actif, votre chakra sacré, vous seriez plutôt tendance à être timide et d'être auto-négative. Voilà, ou là, vous critiquez vous-même, auto-négation, donc tout est négatif sur vous, autour de vous, etc. Deux ouvertures, devant et derrière. Aliments, on vous parle de prendre plutôt de l'eau, du thé, des bouillons, des oranges, du melon, tout ce qui est orange. Hein, voilà. Ensuite, au niveau. Donc, si il est excessivement suractif ou suractif tout court, hein, on vous dit que sexualité, envie de sexualité trop développée, manque de maîtrise des émotions, trop grande facilité à pleurer, se mettre en colère, ressembler à un dépressif, maux de ventre sous le nombril. Le chakra sacré concerne le sentiment et la sexualité. Quand il est ouvert, vos sentiments coulent librement et sont exprimés sans que vous soyez surémotif. Vous êtes ouvert à l'intimité et vous pouvez être passionné et vivant. Vous n'avez aucun problème à gérer votre sexualité. Donc, s'il est sous-actif également, ce chakra-là, vous aurez tendance à être raide, non émotionnel ou à avoir un visage inexpressif. Le chakra sacré est sous-actif, vous n'êtes pas trop ouvert aux gens. S'il est suractif, vous avez tendance à être motif tout le temps. Vous vous sentez émotionnellement attaché aux gens et vous pouvez être très tourné vers la sexualité. Voilà pour le chakra sacré. Après, je vais expliquer d'autres petites choses. On continue avec le chakra racine. Donc, c'est pieds, genoux, hanches, reins pour le corps physique, esprit, émotion. Donc, santé, prospérité, rempli d'espoir, patience, d'ingéniosité pour celui-ci. Le chakra racine, c'est le centre des autres énergies. Donc en fait, c'est ce qui va aider à tout aligner vos chakras. Voilà. Si il est équilibré, vous serez donc centré. Voilà, c'est ce que je dis. Vous avez centré tous vos chakras. Tout est nickel. C'est par là qu'on finit. Bonne santé, abondance. Quand il est excessif ou suractif, vous aurez tendance à être égoïste ou dominateur, voire suicidaire, et vous aurez un manque de confiance en vous et envers les autres. Possibilité d'avoir des problèmes, donc vous serez déséquilibré, donc là on parle vraiment du chakra, etc. Peut-être des petites pertes d'équilibre, vous aurez de l'arthrite et des maladies cardiaques, voire toxicomanie, que ce soit alcool, drogue, cigarette, etc. Médicaments. Concernant les aliments, donc forcément ce chakra est rouge, donc on vous conseille de manger des légumes racines ou de la viande rouge. Si vous êtes donc le chakra est, si le chakra est trop hop, si le chakra est suractif, vous êtes trop dans le rationnel, trop dans le terre à terre, voilà, très occupé par l'argent. Vous allez avoir un ego très développé, impatience dans les gens, problème d'aboutissement de la digestion, donc voilà. Le chakra racine, ça concerne le sentiment d'être présent physiquement et de se sentir bienvenu dans toutes les situations. S'il est ouvert, vous avez des bases solides, être stable et en sécurité. Vous ne vous méfiez pas inutilement des personnes. Vous sentez présent ici et maintenant et relié à votre corps physique. S'il est sous-activé, vous aurez tendance à être craintif ou craintif ou nerveux ou nerveuse. Le chakra racine probablement sous-actif, vous vous sentez facilement importuné. Donc vous allez voir le mal partout. Vous êtes très matérialiste s'il est suractif et avide de pouvoir, etc. Vous êtes probablement obsédé par le besoin de sécurité et la résistance au changement. Donc voilà pour ce qui est suractivité et sous-activité des chakras. Ensuite, du coup, toc. Donc là, c'est une image avec les chakras, etc. Donc évidemment, vous pouvez vous aider avec des méditations qu'il y a disponibles sur YouTube pour nettoyer vos chakras. Il y en a pas mal, j'en ai fait des playlists, donc je vous invite à regarder. Et il y a également des sons spécifiques pour vous aider à nettoyer vos chakras, idem, vous pouvez regarder sur YouTube. Donc j'ai trouvé ceci sur
Instagram, je sais plus quand. Et donc, ici, vous pouvez voir que le chakra racine, c'est donc du 432 Hz. Le chakra sacré, c'est du 480 Hz. Le chakra du plexus solaire, c'est du 528 Hz. Pour le cœur, c'est du 624 Hz. Pour le chakra de la gorge, 672 Hz. Pour le troisième œil, c'est 720 Hz. Et donc pour le chakra couronne, c'est du 768 Hz. Voilà. Donc super, ça je suis tombée dessus, j'ai dit tiens, ça tombe bien. Parce que c'est souvent que je fais des méditations avec des Hertz. Et la plupart du temps, c'est du 432 Hz. Et là, c'est bien d'avoir trouvé ça. Donc je vous le partage avec la personne qui est ici, qui a créé donc cette image. Voilà pour ceci. Alors ensuite, je vais passer aux enfants. Alors évidemment, les enfants, vous pouvez, donc je vais laisser là, vous pouvez donc faire du Reiki sur les enfants, il n'y a pas de souci. Cependant, si vous n'avez pas le temps, il y a des petites astuces comme ici, trouvées sur Intuitif Bien-être, donc quelque chose que j'ai trouvé il y a quelques mois. Donc, pour nettoyer le chakra couronne d'un enfant, voilà ce qui est dit. Donc, je lis et regarde des livres d'images, j'écris des histoires et tout ce qui me plaît, je me pose toute seule au calme et je ferme les yeux, je fais de la peinture. Voilà. Surtout si vos enfants ont tendance à pouvoir rester tranquilles, bouger tout le temps, etc. Bon, ça, c'est nickel. Vous pouvez faire son petit nettoyage de chakra en faisant de la peinture, des dessins, etc. Voilà, comme ici, là on dit pour nettoyer donc le chakra du troisième œil, je dessine et je colorie, je fais des chasses au trésor, je fais des puzzles, des jeux de mémoire ou de découverte. Concernant le chakra de la gorge, j'écoute et je joue de la musique, je raconte des histoires, je chante ou je fais du théâtre. Pour le chakra du cœur, donc c'est je m'occupe des animaux, les soigne, je trie mes jouets pour les donner, je fais ma toilette et me fais beau et belle, je fais des câlins. Voilà, utilisez l'utile à l'agréable, vous pouvez faire ranger les jouets à votre enfant et lui dire ça va nettoyer ton petit chakra du cœur. Ensuite, le chakra, je sais plus où j'en suis, du plexus solaire, je vais au cinéma. On voit des spectacles, je fais du sport, je fais des jeux rigolos. Concernant le chakra sacré, je danse, je cuisine et prépare des gâteaux, je me baigne et vais à la piscine. Voilà. Si elles n'auront pas de piscine, hein, ben, hein, c'est pareil. Concernant aussi le chakra, j'ai un trou. Chakra racine, je plante des fleurs et je jardine, je fais de la poterie, je me promène en forêt et je touche les arbres. Voilà pour les chakras. Donc, toc toc toc, ça je l'ai dit. Ok, donc là c'est bon. Donc encore une fois, je vous invite à aller sur YouTube chercher des méditations. Alors il peut arriver que certaines méditations ne conviennent pas aux gens. Donc en gros, le plus souvent, c'est des maux de tête ou des nausées, etc. Donc quand c'est comme ça, vous passez à autre chose. C'est que le son ou le Hertz ne vous convient pas. Ou que votre chakra ben, n'est pas un ou deux chakras n'est pas ouvert, etc. Ou c'est autre chose, il faut nettoyer ou passer par la case Reiki ou autre. Voilà. Donc voilà concernant l'explication des chakras suractifs et sous-actifs.